tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo tirage au sort du concours. Et oui, la voilà enfin, vous avez attendu, hein, je suis désolée. Ah, Fifi, range-moi ta queue s'il te plaît, merci. Donc, le tirage au sort a été fait par le logiciel comme d'habitude, hein, en capture, avec une capture d'écran. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, vous avez tous eu un numéro dans votre commentaire sous la vidéo du concours, hein, précédemment. Donc, vous verrez que j'ai fait un tirage au sort avec les numéros. Mais t'arrêtes de bouger. Donc, c'était beaucoup plus simple, hein, parce que de taper tous les noms, c'était compliqué. Je trouve qu'au moins de taper avec des numéros, ça va plus vite. Voilà. Alors, j'ai tiré au sort 5 personnes. Voilà. Donc, il y aura 5 gagnantes. Comme j'avais promis. Donc, les gagnantes, de la première à la troisième, vous gagnez des lots que j'avais montrés lors de la vidéo du concours. Donc, nos partenaires, les boutiques qui ont accepté de participer. Hein, voilà. Donc, la première, je remontre un peu. Donc, la première gagne ce lot de tampons, hein, de chez Scrap Didi. Voilà, donc des tampons de Noël. Tu peux ranger ta queue, merci. Donc, elle gagne ça et elle gagne une... Donc, la création que j'ai commencée, qui n'est pas finie. elle gagne une création de moi en même temps, mais elle sera terminée, hein, pour cette semaine. Bah, du coup, ce sera une surprise. Mais bon, je ferai une vidéo quand même sur cette création. Bon, Fifi, arrête, elle me fait un boxon, c'est pas possible. Donc, il y a une création de moi en plus pour la première, en plus de ces tampons. La deuxième gagne un bon d'achat de 25 euros hors frais de port pour la boutique de Maria Chalanova. Voilà, donc la boutique FDECO. Donc là, pour la deuxième, il faudra m'envoyer ton email pour que je puisse le transmettre à Maria et qui prendra directement contact avec toi pour te donner ton bon d'achat. Voilà, et te donner les modalités. Désolée. Bon, Fifi, va par terre parce que là, tu fais n'importe quoi. Excusez-moi, voilà, je suis là. Donc, non, 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 non. Je donnerai l'email à Maria et elle prendra contact directement pour transmettre le bon d'achat de 25 euros. Voilà. Et la troisième gagnante gagne ce lot que j'avais montré, hein, voilà, de matériel de scrap. Donc, il y a du tampon, des rubans, des strass, des papiers 15-15 de scrap, des stickers, il y avait vraiment de tout. Donc, de Creative Attitude, voilà. Et pour la quatrième et la cinquième, là, c'est moi qui offre le cadeau, voilà. Alors, je vais les montrer parce que je n'avais pas montré, je n'avais pas pu les montrer avant parce que je n'avais pas été les chercher. Donc, c'est deux petits lots de chez Action. Donc, la quatrième personne qui va gagner, donc, elle va avoir cette petite boîte, voilà, avec les camés. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que je suis obligée, il n'y a pas du tout de luminosité. Si j'enlève le flash, est-ce que vous voyez mieux? Peut-être. Voilà, les petits camés. Alors, ça, je pense que c'est des nouveautés, je ne les avais pas encore vues. Voilà, des clés en métal. Là, comme des étiquettes mais en métal, un paquet de fleurs, alors là on voit pas du tout la couleur, mais c'est elles sont rouges foncées avec du brillant, donc c'est des roses. Je suis vraiment désolée, mais alors on a un temps pourri aujourd'hui. Une planche de tampon, voilà, donc j'espère que la gagnante l'a pas déjà. Une petite planche de perles stickers, comme ceci. Une comme cela, voilà, rose. Et des stickers embossés, voilà,
format A4 comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour la quatrième gagnante. Et la cinquième gagnante, voilà, elle a une boîte de petit embellissement en bois comme ceci. Elle a les formes d'étiquettes en métal, voilà, les roses aussi, voilà, donc là je suis désolée, vous voyez pas bien la couleur, mais elles sont rouges avec des paillettes, une planche de tampon, donc c'est pareil, j'espère qu'elle ne l'aura pas, des stickers demi-perles, les perles comme ça, stickers, mais en bleu. Et une planche de stickers embossés comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pour la cinquième gagnante. Donc voilà, comme ça, vous avez vu tous les lots, hein, sauf la création. Donc je ferai une vidéo à part pour ma création. Là, dès qu'elle est terminée, elle devrait se terminer dans pas longtemps. Voilà, mais je dis pas ce que c'est, voilà, j'ai fait une surprise. Donc là je vous demande de rester sur la vidéo bien sûr pour voir le tirage au sort. Donc là vous allez voir le tirage au sort, vous ne voyez pas les noms tout de suite, on se retrouve tout de suite après le tirage au sort et je vous dévoile les noms des gagnantes. À tout de suite. Donc voilà, vous venez de voir le tirage au sort avec les numéros. Donc vous avez vu, il y a eu 5 gagnantes. Donc les numéros gagnants, je vous les rappelle, c'est le 12 pour la première gagnante, le 83, le 24, le 18 et le 25. Donc je vais vous dévoiler les noms maintenant des gagnantes. Donc la première gagnante, donc qui gagne le lot de tampons de Scrap Didi. Et ma création perso, donc c'est le numéro 12 et c'est Evelyne Navarro.
Voilà, donc Evelyne, je suis pas contente que tu aies gagné. La deuxième gagnante, donc, qui gagne le bon d'achat pour dans la boutique de Maria Chalanova, donc pour la boutique F Déco, donc le bon d'achat de 25 euros, c'est Sylvie Mario. Voilà, donc avec le numéro 83. Sylvie, bravo, je suis très contente aussi que tu aies gagné. La troisième gagnante avec le numéro 24 qui gagne donc le lot de matériel de scrap de Créative Attitude. Donc c'est Gisèle Murville. Voilà. La numéro 4 qui gagne le lot action, donc le premier lot action avec le numéro 18, c'est Chouchou. Très heureuse aussi que tu aies gagné, Chouchou. Et notre cinquième gagnante qui gagne le deuxième lot d'actions, c'est avec le numéro 25, c'est Stéphanie Châtelard. Voilà, donc très heureuse aussi Stéphanie que tu aies gagné. Voilà. Alors les filles, vous savez comment ça se passe. Donc vous avez mes coordonnées, de toute façon, j'ai vos adresses normalement. Mais sauf peut-être Gisèle et Sylvie, je pense. Mais bon, par précaution, renvoyez-moi toutes les cinq vos adresses, hein, donc par email, donc sur atelier.de.didit@gmail.com. De toute façon, vous voyez là, je vous le remets en bas et vous l'avez aussi dans la barre d'infos. Ou vous me l'envoyez en message privé sur Facebook, puisque la plupart d'entre vous ont mon Facebook. Donc vous me renvoyez votre adresse. Voilà. En sachant que donc, comme j'attends 7 jours pour avoir de vos nouvelles à toutes, donc j'attends vendredi prochain pour envoyer les colis. Donc les colis partiront vendredi prochain dans la journée. Au plus tard lundi matin prochain, et donc on sera le je vais vous le dire, hein. Alors soit je vous les envoie le 15 décembre, ou au plus tard ce sera envoyé le 18 décembre. Voilà, comme ça j'enverrai tout en même temps, ça me donne le temps de terminer aussi ma création, que ça sèche aussi, parce que ce serait bête que ce soit pas bien sec. Et puis au moins j'envoie tout en même temps, vous recevrez toutes les 5 votre lot en même temps. Voilà, bah, écoutez les filles, je suis super heureuse de vous avoir fait gagner ces lots au concours. Je remercie également tous les participants. Vous avez été en tout 108 personnes à participer. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Au niveau de la chaîne, on a largement maintenant dépassé les 1500 abonnés. Donc là, je suis encore très très heureuse. J'espère qu'on en aura encore beaucoup d'autres. Je vais reprendre plus régulièrement maintenant mes vidéos, hein, les tutos et tout ça. Là, je vais peut-être vous faire aussi une petite vidéo, mais alors un mini 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 haul action, puisque comme j'étais action pour les lots actions, je me suis acheté 2-3 bricoles, vraiment 2-3 bricoles. Donc je vais certainement faire un mini haul, voilà, et me mettre à jour sur les autres vidéos. Voilà. Donc Evelyne, Sylvie, Gisèle, Chouchou et Stéphanie, encore un grand bravo, pardon, à toutes les 5. Surtout, prenez vite contact avec moi, hein, me redonnez vos adresses pour que je sois sûre de bien les avoir. Et je vous envoie, donc je pense que je vais envoyer tout avec en lettres suivies. Comme ça, je vous donnerai vos numéros de suivi. Je préfère payer 1 € de plus, mais que être sûr que tout arrive bien à destination. Parce qu'avec tous les soucis qu'il y a avec la poste en ce moment, et puis avec les fêtes. Le courrier est hyper long en ce moment, donc je préfère vous envoyer tout ça en suivi. Donc je vous le donnerai pareil en message privé ou en email, suivant comment vous m'avez contacté, votre numéro de suivi pour vos colis. Voilà, mais ça partira par la poste. Voilà. Alors, encore un grand merci à tous. Il y aura encore d'autres concours, hein, pas, là on va laisser passer les fêtes, hein.
Voilà, donc je ne sais pas, le prochain concours, je verrai ce que je vais faire. Peut-être pour la Saint-Valentin, on verra. Je verrai ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un, pour changer, un concours création. Que vous, alors, dites-moi ici en commentaire si ça vous intéresse de faire une création, que vous m'enverrez bien sûr. Et puis on fera un concours. Voilà, on essaiera de faire un vote avec les sur YouTube. Voilà, je verrai comment je peux organiser ça. Faire un vote sur YouTube pour décerner peut-être trois gagnantes. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes intéressé de faire une création, mais une petite, hein? On verra, on fera peut-être une carte, ou vous voyez, bah, comme c'est pour la Saint-Valentin, voilà, on fera peut-être une carte pour la Saint-Valentin. On reverra à ce moment-là. Mais dites-moi déjà ici en commentaire si ça vous intéresse. Et on verra comment on organise ça. Voilà, ça changera de faire un tirage au sort comme ça. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. En commentaire, et puis je vois pour organiser ça. Donc, la Saint-Valentin, c'est 14 février. Donc, je pense que je mettrai ça en route ben, mi-janvier, si vous êtes OK, hein, si ça vous intéresse. Je ferai ça mi-janvier. Et puis, comme ça, ben, voilà, on fera ça pour ben, la mi-février. On fera une vidéo mi-février pour que je montre toutes les créations. Voilà. On verra. Mais donnez-moi votre avis en dessous de, ici, en dessous du commentaire. Voilà. Et je referai une vidéo pour vous dire si on fait ce concours ou si on ne le fait pas. Voilà. Donc, bon, bien sûr, je le ferai à condition qu'il y ait quand même plusieurs personnes. Hein. S'il n'y en a que 2-3 qui s'intéressent, je ne le ferai pas. Il faudrait quand même qu'on ait un minimum d'une dizaine de participations. 10 à 15 participations. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Si j'ai entre 10 et 15 participations, ou plus, bien sûr, je mettrai en route le concours. Voilà. Bah, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais monter toute ma petite vidéo, là. Voilà. Je fais pour que vous l'ayez aujourd'hui. Donc, les gagnantes, prenez vite contact avec moi. Et maintenant, je vous fais à toutes de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bientôt.